Vous savez, ils connaissent le pouvoir de la parole. Donc la restitution doit se faire. La parole. C'est la parole. Tout est dans la parole. Je dois ramener ce que j'ai fermé. Je ramène. Je ramène. Je redonne. Je redonne ce que j'ai enlevé sur mes enfants. Son mariage. Elle va à quoi? Elle doit se retourner. Revenir en elle. Elle doit se marier là-bas. Faire enfant. J'irai là-bas chercher l'amener. Mon argent. Mon argent. Son étoile. Leur étoile, parce que c'est tout mon temps. Leur étoile. Donc on te laisse la nuit là. Tu peux aller chercher. Tu peux aller. Ah, tu dis j'irai chercher. Hein? Tu vas aller chercher. Pourquoi? Mais elle veut ou pas, Dieu va vous donner ça. En fait, on n'a pas besoin elle, de sa volonté. Dieu nous amène ça. Ok. La restitution se fait maintenant. Je libère ton âme, ton esprit, je prie. Ton âme, ton esprit et ton être. Je proclame aujourd'hui même ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je t'établis dans tous tes droits spirituels. Je ramène toutes tes grâces, ta bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton utérus revient. Oui, ça revient. Ça revient. Ça revient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'utérus revient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame ta délivrance. 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 Maintenant même, je libère ton âme. Je te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les chaînes de la captivité. Je proclame ta délivrance dans le nom de Jésus. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance maintenant même. Dans le nom de Jésus. Amen. Ami, va t'asseoir, prends, on voit ton cas. Laisse-la, 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 laisse-la. Où est le monsieur? T'as ta bouteille? La puissance de Jésus. Merci Jésus. Merci pour le miracle. Merci. Merci Jésus. Tu veux la tigre. C'est tigre, c'est ça? Les chiens, chat. Et quoi? Tigre et chat. La journée? La journée, c'est chat. Et la nuit? Et la nuit, c'est tigre. Tu as dit que tu as croisé lui la nuit. Il va te manger. Elle sort une c'est qui dit ça sur sa rachine? La rachine. La rachine. C'est ma soeur préférée, vous cassez ça. Où est Tabatou, hein? C'est ça la soeur. Eh, Tabou, le don. Le jour retourné, vous êtes délivré, non? Oui. Vous avez senti quoi? J'ai senti que je suis sorti en moi. Donc tu es délivré? Oui. Non, le jour tu retournes. Le jour il retourne, que oui. Je meurs. La Bible déclare que c'est ta parole qui te condamnera et ta parole te justifiera. Le jour où tu retourneras à la sorcellerie, que le châtiment de Dieu s'abat sur toi au nom de Jésus. Tu vas d'abord t'enfler que les aveux mourir. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ma soeur, ma fille, tu es libérée. Dans ton utérus au nom de Jésus, la puissance de Jésus. Et l'autre jeune homme là, le porteur de Max,
Quand un esprit en destruction, il détruit tout. Ça va? On dit quoi? Je vais livrer. Quand quelqu'un dit non, je suis allé chez le prophète Grasso, il a délivré, prêté serment, mais je pense qu'il ment. Non. Oh, c'est pas le prophète, c'est lui-même. Il prend l'engagement devant Dieu et les hommes, il ne peut jamais retourner. Et il dit à Dieu, le jour où je retourne, châtie-moi. Donc tu as oublié d'agir, c'est pas Grasso. C'est Dieu. Je te demande. Suis dans ton camp. Au nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Je proclame. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Qui est sorcier, tu veux parler? Je vous regarde, vous deux. Qui est sorcier qui veut parler? Ils sont en France pour on soigne les gens. Ouais, frère, la sorcellerie est une maladie. Nous, on est docteur, médecin, docteur Lisa. On vous enlève ça, il n'y a pas de problème. Vous voulez changer? Le vieux vient ici. Vous pouvez vous arrêter pendant 10 minutes. C'est possible? C'est possible? Venez ici. Non, mettez la chaussure, mettez la chaussure. Je ne change pas de chaussure, c'est pas interdit. Diapanati. Odio yana sayi diapa. Adola ko oyana sayo. Où est le pasteur Philippe? Viapa nagi, ogiyo ya nasayi, viapa, adolaka oya nasayo. Viapa nagi, ogiyo ya nasayo, viapa, adolaka oya nasayo. Le chant dit, tu m'as lancé un défi, toi sorcier. Tu as fermé ma vie, tu as coupé ma vie. Mais voilà que Dieu vient de t'humilier. Dieu vient de prendre ma défense. Parce qu'il y a un temps où tout chauffe. Il y a un temps où le diable règne, et puis il y a un temps où Dieu décide de vous délivrer. Il n'y a pas Nagi, on dit yo yanasayi, il n'y a pas. Adolaka oyana sayo yapa diyo diyo yapa adolaka oyana sayo pas la caméra adolaka oyana sayo yapa pour Baptiste ou pour la prière adolaka oyana sayo yapa diyo. I'm on
C'est une société secrète. Tout ce qu'ils font dans le noir, ils n'osent même pas dire. Donc, quand les gens font des aveux publics, ça les libère eux-mêmes. Ne voyez pas, comme on entend humilier des personnes, vous voyez les malades que le prophète est en train de soigner. Amen. Oui. Voilà, parce qu'ils ne sont pas soignés, ils vont manger une sauce, voilà là, une sauce du blé. Ils vont bien vous manger. Vous me les délivrez. On peut savoir vos noms? Loukou Paul. Vous reconnaissez votre sorcellerie? Oui. Le sorcier. Qui vous a donné la sorcellerie? C'est mon frère Tidjou. Hein? Mon frère Tidjou. Donc votre frère Tidjou. Tidjou. Hein? Tidjou. Tidjou. Ah, comment vous a donné la sorcellerie? Il est allé au champ. Il a fait un piège. Il a fait un piège. Il a attrapé un rat. Et vous avez mangé. C'est comme ça que vous avez donné sorcier. Quand vous avez mangé le rat, vous avez donné sorcier. Ouais. Comment? Maintenant, il a lui donné. Il est venu encore. Il est venu le lendemain, il est parti. Il est dit, il a dit, il a dit, il a dit, il Et la suite? Et la suite, c'est revient à moi. Hein? Je vais pas lui faire la tour sur les autres. Non. Non. Quand vous avez donné la sorcellerie, qui vous avez tué? Parce que vous avez mangé pour lui. Oui. Voilà. Et puis l'autre, même. Tu t'as demandé. Il faut retourner ma vie. Ah ah. Pour retourner, ça vient, c'est comme ça. Je ne vais pas manger pour moi seulement. Il faut qu'il mange pour toi. Et puis, qu'est-ce que tu as fait? Il a tué ton propre papa. Ouais. Il a tué. Ouais. Vous avez mangé. Ouais. Il a transformé en quoi? En mouton. En mouton. Deuxièmement,
J'ai pris ma petite soeur. Ta petite soeur. Elle n'a pas de nom? Elle s'appelle Marie-Louise. Marie-Louise. Vous l'avez tuée. Ouais. Viens manger. Ouais. La troisième personne. La deuxième personne. Papa Il était pour vous? C'était mon neveu. Ton neveu? Oui. Tu l'as tué? Oui. Comment faites pour tuer les gens? On fait un piège, et puis là, il tombe dedans. On est en train de prendre. Il est abouti ou bien? Abouti. Comment? Comment tu peux faire bien la réaction de l'abouti? Non, oui. Monsieur, excusez-moi. Vous avez un gourdin, vous utilisez le gourdin pour aller assommer les gens pour les tuer. Oui. Alors, vite, tu dis abouti. C'est abouti que tu as l'attrapé comme piège. Vous n'avez pas un gourdin. On a un gourdin. Alors, tu as un gourdin, tu assommes les gens qui ont l'abouti. Tu vas me distraire. Tu as commencé quelque chose pour aller jusqu'au bout. C'est quand j'ai un attrapé piège. Oui, c'est dans la bouche, là. Il a abouti ou bien. Allons-y. Oui, au total, vous avez tué combien? 27. 27 ans, 25 personnes. Vous avez tué combien d'enfants? Cinq. Cinq enfants. Donnez-moi le nom des enfants que vous avez tués. Alex. Hein? Alex. Alex. Oui. Armand. Il faisait quoi dans la vie? Il était dans ma boutique, il vendait. Dans votre boutique? Oh, ouais. Il vendait quoi les choses? Les biens de votre. Oui. Et vous l'avez tué? Ouais. Avec le même gourdin? Oui. Vous l'avez mangé? Oui. Vous l'avez transformé en quoi? En poulet. En poulet. La deuxième, le deuxième enfant? Oui, allons-y. Mais son nom? Elle s'appelle Solange. Solange. C'est toi qui as tué Solange, bonne ta fille. Ouais. Comment tu l'as tuée? On a la maison et puis, bon, on n'allait pas. Comment vous l'avez tué? Moi, les savais que ça n'allait pas. Tu l'as tué, tu dis, ça n'allait pas. Aïe! Il le même gourdin. Ah, tu l'as sommé le gourdin. Ouais. Et tu l'as tué. La troisième personne. Troisième enfant. J'espère qu'on ne vous a pas forcé de parler. Armand. On ne vous force pas pour parler. Armand. Est-ce que je vous ai forcé? Non. C'est ce que vous avez fait, vous êtes en train de dire. Ouais. Vous ne pourrez pas nier ça demain. Non. Vous ne pourrez pas nier ça demain. Non. Parce que vous êtes libre. Je dis, on n'a pas forcé ici. On ne force personne. Monsieur ne force personne. Il est libre de parler. Voilà. La troisième personne, c'est qui? Armand. Il faisait quoi dans la vie? Quand son frère est mort. Non, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Non, je vous dis. Quand il a tué son frère, quand il est mort, Non, vous ne répondez pas à la question. Armand, il avait quel travail? Il faisait quel travail? Vous voulez non, vous répondez d'abord le travail, vous m'expliquez après. Ah. Ça peut s'expliquer, dites d'abord, pas peut expliquer. Il était dans la boutique. Hein? Il venait de la boutique. Quand tu tues plus la boutique. Le premier là. Après. Tu as tué le deuxième boutique. Ah. Salut les spécialistes à tuer les boutiques. Quatre hommes enfants. Ah. On a l'impression qu'on vous force. Oui, non. Hein? Je vais dire. Ah. On peut vous asseoir un peu dans les chaises, c'est ça? Vous avez une chaise? Non, non, non. Ok. Quelle voiture? Covid-19. Votre propre enfant? Non.
Non, il y a de votre enfant que vous avez tué. Le papa d'enfant des gens. Ah bon. Votre enfant, c'est ça. Il a tué 27 personnes. Je dis, ok, parmi les 27 là, donne-moi le nom de tes enfants que tu as tués. Groupal Padio. Il était qui votre propre enfant? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il est... Et le monsieur est allé mettre fait sorcellerie sur son fauteuil et puis la tue. Ah ouais. Un vieux. Il est qui pour vous? C'est mon fils. Ah, mais pourquoi vous ne parlez pas de lui? Vous m'avez dit ça tout à l'heure ici. Non, non. On vous force. Non, non. Si vous sentez que je suis en train de. Non. Vous n'avez pas envie de parler, vous allez vous asseoir. Non. C'est pas forcé. Tu es dans l'autre, tu appelles de quelle foi. Est-ce qu'on te force? On vous force, monsieur? Non. Vous avez la sorcellerie ou non? Non. Vous avez ça? Oui. On va vous animer. Vous avez tué. Votre fils, qu'est-ce qu'il faisait? Le monsieur, vous avez embouté le fauteuil. Il travaillait à la banque. À la banque? Oui. En tant que. Un commis de la banque. Et puis qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris le diamant de. En sorcellerie? Oui. Comment vous êtes arrangé pour le tuer? J'ai produit la suite de son fauteuil. Un fauteuil sur son fauteuil? Oui. Votre propre enfant? Oui. Physiquement, mais sans sorcellerie, vous êtes parti de son travail. En sorcellerie. Oui. Vous êtes parti dans son bureau. Oui. Vous avez fait quoi? J'ai pris le diamant de lui sur la tête. Son fauteuil. Ok. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mot de vente. Oui. Et puis il est mort après. Oui. Il est mort. Oui, il est mort. Vous l'avez transformé en quoi? En bœuf. Vous voulez manger. Ok. La suite, c'est quoi? Vous voulez entendre encore? Allez-y. Boubol Alain. Hein? Boubol Alain. C'est qui? Un gendarme. Un gendarme. Oui. Votre fils. Oui. Vous l'avez tué. Oui. Comment? Avec le même gendarme. Avec le même gourdin. Oui. Comment vous êtes arrangé pour tuer le gendarme? Comment vous êtes arrangé? Il est venu dans la maison. Il est venu dans la maison. Ah, donc il est venu vous rendre visite? Oui. Et puis la même nuit, vous l'avez tué. Oui. Vous l'avez sonné. Il est parti, puis il est mort. Vous l'avez mangé? Oui. Vous l'avez transformé en quoi pour le manger? En mouton. Allons-y. Je vous écoute, hein. Oui. Il est... Monsieur Pagio. Hein? Monsieur Pagio. C'est qui ça, Monsieur Pagio? C'est un homme. Hein? Un homme. Un quoi? Un oncle. On n'est pas des enfants, tant qu'on a... Ah. Vous pouvez vous asseoir, c'est ça? Oui, ça va? Ça va? Oui. Vous pouvez vous tenir debout comme ça? Mm-hmm. Ok, allons, on y va. Bon, je vais prier un peu. Ma fille. Hein? J'ai pris ma fille à toi. Comment elle s'appelle? Comment ça s'appelle? Elle s'appelle Rupert. Ange. Ange. Oui. Comment tu l'as tué? J'ai fait la sorcellerie dans la tiguée. Quoi? La tiguée. Tu as mis quoi dedans? J'ai fait la sorcellerie. Tu as embouté la tiguée? Oui. Tu as empoisonné ça? Oui. Elle a mangé puis la mort. Tu as tué qui encore? On dit que le vieux n'est pas envie de parler, c'est ça? Non, si, vous avez
Est-ce que vous voulez être délivré? Merci de Dieu parler. Vous avez dit tuer qui est qui? Qu'est-ce que vous voulez? Pardon? Vous parlez. C'est qui? Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était un porteur. Où? Il écrit pour vous? Je ne connais pas votre nom. Il ne peut pas faire votre enfant. Est-ce que vous avez envie de d'être libre? Oui, et quand même, il faut sa bouche bien. Vous avez tué au total 27 personnes. Oui. Vous avez tué 27 personnes. Oui. Donc, vous trouvez tueur oui. Et criminel. Oui. Vous reconnaissez ça? Oui. On ne vous a pas forcé, hein? Non. Excusez-moi, je peux savoir votre âge? Excusez-moi. Il est un homme. Non, c'est l'âge qui m'intéresse. On dit que vous êtes un assisteur. Oui. Ah, donnez-moi l'âge. Vous avez oublié mathématiques, là? Alors moi, je suis là, je connais mon âge. Chacun a vu, c'est... 79 ou 76 ans. C'est ça? Oui. Vous savez qu'on peut vous forcer? Non. On doit vous forcer. Vous avez gâté la vie des gens aussi? À part tuer. Les enfants que tu as gâtés, ça m'intéresse. Non, avant... C'est qui sa Marie-Louise? Elle est où? Elle est bien. Qu'est-ce que vous avez gâté dans sa vie? Je fais il ne gagne pas d'argent. Ça fait comment? Je fais la salle. Mais comment tu as fait vite d'être pas garçon? Tu ne cherches pas garçon. Non. Il sait qu'il y a un homme. Ah, tu vois Marie. Ok. Faut que je ne peux pas enlever le son. Puis il est allé au pied. Il me dit. Sa famille est là? Oui. Tu es combien? Il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on règle. Parce que les appels, là, ça prend du temps. Il est déjà 23 heures. Moi, j'ai un culte demain. Ça, c'est important. Je pense aussi à moi. Mon corps. Parce que là, j'ai fait une veillée. Je vais faire aussi une veillée. Je dois me reposer. Je dois préparer mon message de demain. Tout ça, on va poursuivre ça demain. Vous êtes d'accord qu'on poursuive ça demain? Hein? Parce que vous êtes un peu long. On a l'impression qu'on est en train de vous forcer. Non, oui, mais vous êtes un peu long. Or, il faut forcément faire des aveux pour qu'on te délivre. Vous avez assisté sur ces aveux ici, non? Vous avez vu comment on travaille ici? Soyez un peu rapide. Madame, vous êtes sorcière? Venez. Je vous ai vu lever le doigt. Hein? Vous êtes sorcière? C'est forcé ou bien? Tu as parlé à moi. Hein? Non, tu as parlé à moi comme ça. Moi, je suis docteur. C'est moi qui dois te soigner. Donc, réponds-moi bien. Hein? Ben, c'est toi qui tues, moi, je ne tue pas. C'est toi qui tues, moi, je ne tue pas. Non, j'ai de fausses questions. Il faut arrêter ta mine qui te fait bizarre. Réponds-moi poliment. Parce que tu ne me moyens pas. Voilà. Je vais te soigner. Je t'ai dit la vérité. Donc, quand je te parle, il faut me répondre poliment.
Je ne suis pas contre toi. Sorcellerie, là, c'est ce que tu as voulu faire. Donc, c'est ce nom-là qui est sur toi. Lorsque tu demandes tes sorciers, tu dis oui. Voyez, c'est à toi, j'ai un travail. Chacun son travail. Ok. Mets-toi ici. C'est comme ça que vous pensez que Dieu n'allait pas vous attraper un jour. Mets-toi ici. Fais sorcellerie, quand vous attrape un matin, vous ne voulez pas parler. C'est comme ça. Vous êtes sorcier. Parlez dans le micro, c'est comme ça ici. C'est votre mari? Ah non, c'est un couple de sorciers, non, c'est dangereux. Vous préparez, de monsieur tue, on prépare, on mange. Vous riez, ça vous fait rire? Madame, ça vous fait rire? Hein? Madame? On n'est pas dans le même groupe. Hein? Ah, on n'est pas dans le même groupe. Ça, ça n'est pas dangereux. On n'est pas dans le même groupe, ça n'est pas plus dangereux. Hey, tu tues ici, lui tue ici. C'est dangereux. Madame, c'est vous qui avez dit qu'on n'est pas dans le même groupe. Vous avez dit que c'est dangereux. Au moins, si on est dans le même groupe, on fait les mêmes choses. Mais on ne fait pas les mêmes groupes. Toi, tu fais pour toi, pas les mêmes. C'est dangereux. Lui, tue là-bas, toi, tu tues ici. Donc, tu es beaucoup, il a tué beaucoup. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, vous les soyez même gros, moi, moi, j'essaie de bien faire votre procès. Vous n'êtes pas dans le même groupe, vous êtes dangereux. Si tu as tué 27, que toi, tu as tué encore 30, c'est pas beaucoup. Or, si on a tué les 20, 27 là. Hein? C'est le même, groupe. C'est ça, il dit, c'est dangereux. Hein? Vous êtes sorcier. Parlez dans le micro. Hein? Vous êtes sorcier. On t'a forcé, oui, tu reconnais que tu es dedans. Hein? Hein? Je suis dedans. C'est pas, il n'entend pas bien. Hein? Je suis dedans. Dedans quoi? Dans sorcellerie. Hein? Sorcellerie, dans sorcellerie. Qui t'a donné pour toi? Ta maman. Comment elle t'a donné? Monsieur, allez-y, vous asseoir. Demain, on va pousser. Hein? Allez-y. Hein? Elle mangeait pour les gens. Elle a mangé pour les gens, oui. Hein? Je n'ai pas compris. Ma mère est décidée. Donc elle m'a laissé. Elle t'a donné, tiens, héritage. Après, t'a donné ça. Oui. Tu as fait quoi ça? Hein? Oui. Hein? Oui. Comment, hein? Tu as, quand t'as donné là, tu as fait quoi ça? Oui. Hein? J'ai tué mon frère. Quel frère? Mon grand frère. Il n'a pas de nom. Il s'appelle Yao. Quel Yao? T'as tué qui encore? Il y a Papou, Colin. Et les enfants? Les enfants, il y a Groupe Solange. Hein? Groupe Solange. Groupe quoi? Solange. Solange. Voilà. Tu as tué? Groupe Zizane. Tu as tué? J'ai tué. La piscine, Groupe Zizane, j'ai tué. Groupe Zizane, j'ai tué. Groupe j'ai tué. Combien d'enfants? Enfants t'as tué? Tu manges ça?